Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, président du Conseil national d'assistance légale, Madame, Messieurs les membres du Conseil national d'assistance légale, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame, Messieurs les doyens des tribunaux de première instance, Messieurs les commissaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de la Police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, CNAO. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens. C'est un devoir de la nation vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables et des plus démunis. Nos frères et sœurs doivent jouir pleinement d'une assistance qualifiée d'avocat, ce, sans aucune contrainte et sans aucune considération due à leur précarité. L'installation aujourd'hui du Conseil d'administration du Sénat dit l'intérêt que mon administration porte au laisser pour compte. Celles et ceux qui sont abandonnés à leur sort en prison uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques nécessaires au traitement de leur dossier. L'installation de ce conseil d'administration est un acte de bienveillance judiciaire. C'est une nouvelle ère, un nouveau départ, un nouveau soleil qui se lève pour ces oubliés de la République. Pour mes frères et sœurs qui croupissent dans nos prisons à cause de leur pauvreté, l'État s'engage à prendre en charge toutes les dépenses juridiques et judiciaires de toute personne répondant aux critères définis par la loi sur l'assistance légale. Le combat contre la discrimination, le combat pour l'égalité devant la justice est autant celui de l'État que celui de chaque citoyen, chaque citoyenne. Compromettre ou léser la liberté d'une personne qui ne peut pas se défendre dignement par le fait de sa mauvaise situation économique est un acte discriminatoire que la société, par l'entraide, par la mise en commun, par fraternité, doit éradiquer. La pauvreté ne doit plus être un motif de condamnation sans jugement. Le système judiciaire doit cesser d'être le bourreau des détenus. Laisser croupir un être humain pendant 10 ans et plus dans une cellule, sans aucun jugement préalable, sans aucune condamnation, est un acte grave qui viole la dignité humaine. Je tiens à rappeler à tous les acteurs du système judiciaire, qu'ils soient huissiers, greffiers, parquetiers, policiers, juges de siège, juges d'instruction, avocats et autres, que la dignité humaine est le fondement de tous les autres droits. Dans les dispositions préambulaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États civilisés avaient affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Il est important de souligner que l'article 9 de la loi sur l'assistance légale consacre la gratuité de l'assistance juridique. Les assistés sont ainsi dispensés de tout droit de greffe, d'enregistrement, de timbre et de tout autre frais de justice généralement quelconque. D'autre part, dans le cadre de notre politique de prise en charge des mineurs, l'article 16 de la même loi accorde d'office l'assistance judiciaire à toute personne mineure en conflit avec la loi, sans exigence de preuve de situation économique ou financière précaire. Madame, Messieurs les membres du Conseil d'administration du Sénat, la tâche qui vous incombe est avant tout citoyenne. La citoyenneté exige un haut sens de civisme et de fraternité. C'est dans cet esprit que le législateur, au terme de l'article 24 de la loi sur l'assistance légale, interdit toute rémunération pour ce travail patriotique. Il vous revient de construire les structures fondationnelles du Sénat et d'assurer sa pérennisation. Il est urgent de prendre toutes les dispositions afin de rendre disponible le fonds d'assistance légale prévu à l'article 70 de cette loi, lequel fonds, provenant de plusieurs sources préalablement identifiées, permettra le fonctionnement régulier des services d'assistance légale. Dans le prochain budget rectifié, j'instruis le ministre des Finances de prendre toutes les mesures pour alimenter ce fonds. De ce fonds dépend, messieurs les membres du Conseil d'administration, l'efficacité des actions urgentes que vous êtes instruits d'entamer incessamment. J'appelle à la convergence des forces, à la réunion des moyens, à la solidarité entre les structures chargées du bon fonctionnement de la justice. Servir la République est un honneur et un acte de dignité. De vous tous et de chacun de vous dépend la cohésion de la nation et sa survie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent dans quatre coins pays et dans la diaspora, moi, songez à l'MT réuni gros autobré dans l'État pour salutation dans le finissement de l'année 2020. Moi, j'ai dit une phrase que je voulais répéter encore aujourd'hui. Moi, j'ai souhaité justice la tourner tout bon vrai, femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir qui s'en passe pour qui. Dans sa vie, mon pauvre, t'as coup mon riche. Moun peau jaune tant que moun peau noir, moun en haut tant que moun en bas, moun la ville tant que moun en dehors. Gapil moun qui croit c'est eux qui mettent pays a. Et moun sa qui aime justice pays a parfois en bas ong yo. Yo kembe la otage. Mais m'a dit tout, yo même yo mérite justice. Même les gens qui ont tout nos potes, les gens qui sont loin, 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 les oubliés de la République, gros orteils, tête canaille, les gens qui ne sont pas liés, ils ont bien droit tout pour jouer une justice. Même les gens qui ont fait identification, ils ont plus passé. 3 millions de monde sa yo
qui pas bien baptisé. Décision prend pour que eux-mêmes, ces oubliés de la République, ils ont un acte de naissance. Même j'ai mon salut. Il ne faut nous pas oublier qu'ils ont droit à la justice. Les accroupis en prison. Il ne faut nous pas oublier. Nous-mêmes, petits. Nous-mêmes, qui avons fait sacrifice, camion chaviré avec eux. Ils ont mouru dans le voyage pour mettre nous l'école, pour éduquer nous. Jodi an nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs. Jodi an nous membres du conseil d'administration Sénat. Mais qui ça n'a pas dit? Moun sa yo. Et c'est peut-être ça, décision, gros décision ça que je prends aujourd'hui. Je prends pour que moun sa yo. Yo ka jwenn justice, même j'ai avec gros autobus gen l'argent, qui riche, qui comprend, yo ka fait ça ou la que la justice paye. Et je dis, qui sa peuple a constaté? C'est un coup justice n'a pas existé pour malheureux, ni pour le monde de bien qui va dans la corruption. D'ailleurs, une série de cabinets d'avocats, $100 américains ont demandé. Comme blé pour défendre le monde. Et quand c'est tout pays, nous tous connaissons, c'est good rien. Tribunal en grève. Mais depuis que je suis président, c'est sorti dans la grève, tombé dans la grève. Tribunal en grève pour tout malheureux. Pour tout petit peuple. Mais depuis, c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminel qui ont fait sans peuple à couler. Qui ont bloqué le pays. Qui ont empêché les gens à l'école. Qui ont distribué des armes et des munitions par les bandits. Qui ont crasé les machins. Qui ont boulé les camionnettes tap-tap. Qui ont boulé les camions malheureux dans la rue. Qui a boulé machine de l'État, qui a boulé institution publique, qui a boulé tribunal tout à commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple là, mandez-nous ouvrir les yeux. Ouvrir les genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous avons décidé d'installer le conseil d'administration Sénat là. Parce que il y a une pile dans nous qui n'est pas capable de payer avocat. Devoir l'État, c'est mettre avocat pour plaider cause, pas nous. Sans nous pas bien pour nous payer 5 hommes. Et je veux ça clair. Pour le conseil d'administration aujourd'hui, avocat qui prend le gain pour plaider cause malheureuse et malheureuse dans la prison, dans toute juridiction pays, songez que malheureux et malheureuse, ça n'a pas bien 5 ans pour payer. Pour me battre dans la radio, sur les réseaux sociaux, il y a un cob en bas qui commence à bailler dans les affaires, avocat qui est là pour défendre cause sans voix. Avocat qui est là pour défendre la cause, moun que vous pensez que pas un droit. Ce n'est pas possible pour un bon monde en prison depuis un mois, depuis une année, parfois même depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans même, sans vous pas juger. Et pourtant, parfois, moun sa yo, c'est un délit mineur que vous faites. Parce que les gens qui ont eu une discussion entre eux, ou bien avec un voisinage, vieux paroles répétées et puis arrestation mettez pied. C'est rôle par la police. Depuis qu'il y a une discussion, côté une bataille, coup de roche, coup de bouteille qui a râlé, c'est normal pour la police, les mettre main et les gens les plus souvent les reconnaître dans la prison. Nous ne pouvons pas encourager vol ni délinquance. Mais nous demandons que le juge fasse le job. Nous avons combattu la détention préventive net à l'ISA avec toute force. Nous. Depuis longtemps, malheureux, c'est plus gros victime dans la question de la justice. Parce que nous ne connaissons pas comment le tribunal fonctionne.
qui rôle un avocat, qui rôle un commissaire gouvernement, qui rôle un juge de paix, et qui ça la loi dit. Quant à pour assistance légale là, pour citoyens qui sont plus vulnérables, ça n'a pas jamais existé comme ça doit. Résultat, Vinbay, prison qui bourrait à monde et problème de détention préventive net à l'air, vin tourner un gros cancer pour l'État. Prison, yo plein. Et pourtant, en pile dans le monde, yo presque fin pige peine yo pour ça yo te faire. Ça veut dire si tout le monde, yo te jugé, nous te gen doit 60 à 70% moun ki nan prison nan pays a pas tap nan prison. Mais c'est pour ça jodi a moun m'a installé matin, m'a rappelé nous que responsabilité nous c'est accompagner travail membre sénat yo. Assurer nous que membre conseil national là présent tout côté dans toute prison, dans toute commissariat, dans tout bureau commissaire gouvernement et dans tout tribunal pour aider sac plus faible. Moi même nous pas bon côté dans pays m'a pas passé. M'a passé tout côté. M'a parlé avec tout le monde parce que m'on connaît Haïti, c'est 27 750 km². Haïti c'est 572 sections communales et c'est environ 150 communes qui sont liées. Moi compte sur nous en pile. Moi instruis nous pour nous être proches même scénario. Yon façon pour aider à diminuer la quantité de monde qui est en détention préventive net à l'air. Ma profiter voyez un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer, les campé travail, c'est malheureux nous faire souffrir plus. Moi, invite nous résoudre le problème dans le dialogue. Parce que plus bon moyen, plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous yon, nous chita par la clotte. Et puis, je profite l'occasion ça tout. Pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça, la Constitution est claire. D'ailleurs, elle dit, trois pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a un monde qui travaille dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veut faire politique. Il y a un monde qui travaille dans le système judiciaire là. Qui voulait pratiquer métier avocat, on sait le choix. On gagne. Ou quitter ça, ça veut dire démissionner. Après ça, s'ouvre les vignes, magistrat, kazek, député, sénateur, président, ou elle fait campagne. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est nous-mêmes qui compliquons parce que nous, ça cap passer qu'on y a. Ou pas capable de juger. Et puis, l'on finit pour président de la République à la fois. Si on juge, c'est juger. Même j'aime même pas qu'à président, pour me dire juge à la fois. Je ne pas qu'à juge dans la Cour cassation et puis pour me président. Eh bien, c'est même gens. Ou pas qu'à juge et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique. Et puis tout. Ou pas qu'à juge pour venir avocat tout. Sous sa avocat ou là pour plaider cause justiciable et sous ses juges ou là pour juger, ça veut dire c'est soit ou libéré ou bien ou condamné, c'est yon ou l'autre. Nous pas qu'à faire tout deux à la fois. Je profite occasion pour me dire frère seul yo qui n'a pouvoir judiciaire là pour connait aujourd'hui. Faut réveiller pour qu'on connait les affaires pouvoir exécutif là, les affaires politiques, pas les affaires paio. Yo pas là pour parler dans les affaires politiques, yo là pour parler dans les affaires la justice. Même gens nous même tout dans pouvoir exécutif là tout. La loi bail
qui moun nan pouvoir exécutif là qui pour jouer lien qui pour jouer rôle liaison avec pouvoir judiciaire là c'est ministre justice là et c'est pour ça tout ça dans niveau pouvoir exécutif nous-mêmes nous gien pour avec justice là c'est à travers ministère justice qui nous fait et c'est même genre tout la justice lui-même les gien pour le passer tout par ministère justice tout ça qui vient pour nous faire et puis pour nous travailler ensemble t'as coup de pouvoir pour nous rendre pays vivable. Ça veut dire pour nous bailler la justice à monde qui mérite justice parce que sans justice pas de démocratie, sans justice pas de développement, sans justice pas de croissance économique, sans justice pas de pays tout court. Depuis pas de justice, c'est chaos, c'est brigandage, c'est tête chargée. Bâtir une démocratie n'est pas facile. Nous, depuis qu'il est, nous commençons. Ça fait 35 années. Depuis 1986, nous entrons dans l'ère démocratique. En 1987, nous décidons de nous faire une constitution. Et nous tous connaissons qui Jean, 29 mars 1987, qui Jean constitution ça, il était passé. Ça veut dire peuple là, souverain. Mettre pouvoir, peuple haïtien, parce que moi-même qui parle avec mon âme, son locataire, l'autre moi, ce n'est pas moi qui parle. Peuple là, admettons l'autre monde, parce que pouvoir, les nommer peuple là d'une manière permanente. Le ça, peuple là, en 1987, mais peut-être que tu as caché ça pour lui, dans l'article 284-3, même constitution le voté, il a dit ces dernières fois qu'elle a été gagnée dans la constitution. Et pourtant, après 35 l'année, nous sommes dans qui katou boumbe que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que nous croyons que le moment arrivé pour même exercice ça que tu as fait là, côté nous sommes souverains, on dit moul, il faut nous kabalil pour le dire moul encore. Ce n'est pas dans le micro pour venir dire. Ce n'est pas une manifestation, c'est non ligne avec un bulletin secret pour venir dire si oui ou non vous voulez une autre constitution pour le pays. Bâtir une démocratie, c'est un dialogue. C'est un mettre bon jeune institution campée dans le bureau assistance légale. C'est dans ça que vous avez bâti la démocratie. Moi invite nous tous à participer dans résoudre gros problèmes pays à gagner comme ça n'a réussi ensemble n'a demandé pour pouvoir judiciaire là jouer rôle pâle parce que trop souvent pour me pas dire en pile fois même ces pouvoirs exécutifs là sont responsables toute dérive toute tête chargée qui fait dans le système judiciaire là. Je profite de l'occasion pour demander à tout le monde qui est dans l'institution candidat pour pouvoir judiciaire, Frère Maxime qui est dans le CSPJ, pour me dire que je dis à moment arrivé pour toute bagaille faite dans la transparence, pour toute bagaille faite correctement. Ça veut dire pour nous capables de mettre campé l'institution que nous connaissons. Qui non phase côté élection a fait la dernière que complimenter yo me féliciter yo parce que moi ça commencé marcher mais m'a demandé pour ça continuer faire pour que moi même qui là qui pour voyager garder sur toute institution yo m'a voyager garder sur tout pour m'assurer que tout bagaille bien passé parce que nous même jodi a Haïti nous tout rêver a c'est nous tous ensemble. Quel que soit mon pouvoir côtoyer. C'est nous tous ensemble qui pour coller les épaules pour nous capables de mettre le pays à sur route changement et développement tout bon vrai. Les frères nous, c'est nous, famille nous en prison, nous pas gain l'argent pour nous payer avocat. M'a dit nous peuple là.
Sénat là pour ça. L'a assisté nous. L'a conseillé nous. L'a ban nous avocat qui parle défendre nous devant juge dans tribunal sans nous pas bien pour nous payer une pièce. Mais songe. Loi qui mettait Sénat là sous pied, il dit qui puis bon manière pour ça fait. Ça veut dire l'on besoin assistance légale moun qui l'a pour ça. Je voulais parler de balle bureau assistance légale. Il y a bien un pour expliquer nous qui est bon manière que ça marche. Parce que pas oublier, ce n'est pas tout le monde que le Sénat est là pour assistance légale. Parce que les gens qui ont moyen économique, ils ne sont pas obligés de faire assistance légale. Parce que si vous avez une capacité et possibilité pour payer un avocat pour défendre une cause, vous n'êtes pas capable de prendre en charge. Je voulais ça clair pour tout le monde. Pour tout le monde connaît que je dis à Sénat là, les monter pour nous protéger les gens qui sont faibles, les gens qui n'ont pas de moyens, c'est pour ça que Sénat là. Pour me finir, je demande à tout acteur politique et à tout le monde qui est dans la société civile là, tout le monde à la ronde qui concerne pas la situation de crise que le pays a connu depuis 35 années. Quand le monde dans des cap parler, c'est un coup c'est jodi a pays en crise. Haïti en crise depuis nous tout nous te mettez tête ensemble pour nous dévouer la dictature aller. Mais depuis les atouts, nous pas jamais mettre tête ensemble pour nous diriger pays. Jamais. 35 ans, moi même cap parler, nous là m'étais supposé 7e président d'Haïti. Jodi a 19e. Ça veut dire un problème. Problème ça, moi crois que dans tête l'état après 3 ans 2 mois, 29 jours, moi, well, il est clair. Pas de gens qui nous ont résolu le problème. Ça. Si nous ne pas mettre tête nous ensemble pour nous joindre un bon pacte, vivre ensemble, pour l'année qui venir, pour le pays, tu es capable de râler un souffle, pour le râler un vent, pour nous suspendre la police problème. Toute la journée, pour les policiers, c'est eux-mêmes qui sont là pour bataille. Contre gang, pour bataille, contre les gens qui font des ordres. Mais entre nous, acteurs, je demande à nous suspendre notre tête, pas nous. Parce que si c'est nous-mêmes qui avons gardé, je prends l'exemple, moi-même. Depuis que je suis président, 7 février 2017, je demande à nous faire le dialogue, en nous chita. Mais pendant ce temps-là, je ne vais pas camper dans le dialogue-là. Parce que si je suis camper dans le dialogue, je ne peux pas construire Marion. Centrale électrique, Kafou, qui a fini de construire là, je ne peux pas construire. Route port de paix, qui a construit, je ne peux pas construire. Lumière, qui a mis plus en pile côté dans le pays, je ne peux pas faire. Moun Sibiron, qui a de l'eau potable pour le boue, Kounia. Moun les Anglais, moun potable, moun Rochabato, pas de l'eau. Ça veut dire, ça, c'est important pour nous comprendre que je ne peux pas attendre le dialogue là seulement. Barrage qui a construit sous. Grande rivière du Nord, je parle de barrage, la tannerie, pas tap construit. Route cap construit dans le bas nord-ouest, pas tap fait. Aéroport Jérémy, pas tap construit, si je tap tan. Que pour me chita tan dialogue là. Pendant que je demande dialogue là, dans le bord droite là, je travaille dans le bord gauche là. Parce que, il y a un mandat en président, il fait pour le contenu, il n'y a pas fait sans contenu. Mais, m'a dit frère, ma soeur, qui n'en l'opposition politique, les gens qui sont dans la société civile, là, en nous gardant ensemble, mettez orgueil nous sous côté pour nous voir les gens qui viennent, les générations futures. En ne pas garder nous-mêmes aujourd'hui, parce que l'âge nous vient aujourd'hui, c'est aller nous aller. En ne garder les jeunes, en ne voir les gens qui tout le temps, qui exaspérés, avec situation pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qui rôle que la politique gagne dans le destin en nation. Je dis que la politique là, est primordiale. C'est lui-même qui est là pour définir qui est la bonne manière pour le pays capable de sortir dans le sous-développement, dans la pauvreté. Qui est la bonne manière
nous qu'à résoudre problème insécurité que nous avons, problème la vie chère que nous avons, politique là, lui jouer un gros rôle. Ça veut dire, acteurs politiques, où est-ce que nous, les papes menés nous en quel côté. On nous est pays ensemble, on nous est jeunes, on nous est diaspora, on nous est femmes, on nous est paysans, on nous est comment nous sommes capables, ouais, ça nous tout rêvé pour le pays. Je ne sais pas qui ça s'abaille. Rachement, yok, bay terre blanche. Map voyou allé, viva kaba. C'est eux-mêmes qui attendent depuis 35 ans. Et pourtant, mes côtés nous. C'est viva avec Abba qui mettait nous là. C'est rachement, yok, bay terre blanche. C'est mettre clé en bas pour mettre nous là. Mais qui côté le mettait nous? Il mettait nous dans une situation côté nous, c'est la risée du monde entier. Côté tout pays bouka avec nous. Moi-même, je dis nous ça. Parfois, il y a des étrangers qui parlent avec lui. Ou presque mettre tête ou à tête parce qu'on gêne pour comment que ou même comme premier citoyen pays a ou ta remet ouais pays a dérapé mais pour une raison ou une autre il y a des intérêts individuels, il y a des gros mains invisibles, il y a des éminences grises qui depuis au fin tuer des salines c'est même mais ça toujours là qui cachait pas derrière qui met ton roche dans même qui met ton roche dans mon frère qui est en opposition et puis au fait nous on a pour mal l'autre. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont pris dans un gros divin, dans un gros champagne, dans un gros hôtel, dans un gros salon, dans un gros plage. Et puis nous-mêmes, nous avons bataillé contre l'autre. Je dis à nous, venez nous garder l'autre dans les yeux, pour nous suspendre bataille avec l'autre, pour nous goûter pour l'autre, pour nous goûter pour le développement du pays, pour nous goûter pour côté que pas une route construite dans le pays qui a construit, pour les gens qui vivent en sapit, ils ont une frontière même avec les gens qui vivent avec les voisins. Le monde qui vit dans la frontière de la frontière la caillou. C'est soit asphalte qui marche pour arriver juste dans la capitale de la caillou. Et pourtant, le monde qui vit dans sa pit là, il y a 99, disons 98 km de Port-au-Prince. Parfois, il y a mettre 2 ou 3 jours pour arriver dans la capitale de la caillou. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. C'est nous-mêmes qui cause. Je m'assume pour me dire moi-même, il n'y a pas de responsabilité, pas tout. Mais je dis à me ensemble, nous mettons tête nous ensemble. Pour nous sortir du pays dans sa lieu, pour nous construire route, construire réseau électrique dans tout le pays, mettre lumière dans tout le pays, construire barrage d'irrigation dans tout le pays, pour nous produire manger, pour tout haïtien qui a mangé comme ça doit, parce que l'on pays a parlé de souveraineté, premier droit pour gagner, premier souveraineté pour gagner, c'est le qu'on a peur pour manger. Parce que si on n'a pas peur pour manger, c'est même gens, on maman, on papa qui lever dans le matin, ou bien 3 timoun. Et puis, il y a gado, il y a crié, ou pas de moyen pour manger, ça veut dire ou pas maman, ou pas papa. Ces mêmes gens, on a position côté mieux aujourd'hui, ou président pays comme ça, ou pas, ou bien 3 millions à 5 millions de monde qui ont problème qui pas manger dans le pays, ou bien responsabilité face à eux. Ça veut dire 4 ans et 3 mois après, moi comprendre. Et c'est pour ça que je me dis, je comprends aujourd'hui, moment arrivé. Pour nous faire gros geste ça. Un geste patriotique qui pour permettre tout le monde, pas dire qu'on arrive trop loin, personne ne va arriver trop loin. Tout le monde ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous barrer la route avec l'agent de division ça. Grand manger ça, faux prophète ça, gros taureau ça, qui a crasé le pays depuis, il a fini de tuer des salines. Il a fini de tuer des salines, à chaque fois que le président vient pour faire un bail pour le pays, il a diabolisé. Nous songeons Sylvain Salnab, yo fusillé sur une place publique. Nous songeons Saint-Inatis le Comte, yo sauté par les nationales avec les 1000 soldats. Nous songeons Villebrun Guillaume Sam, yo traîné dans la rue, fait peuple à le prendre, tué. Nous songeons président estimé, yo exilé. Après ça, il est mort dans conditions drôles, sans personne, pas de connaît. Dernier en date, c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui fait 10 ans pour le faire 2 mandats, il fait 4 ans, 10 mois, pendant 3 fois. Moment arrivé, moi-même, je dis comme président de la République, je dis non. Les papes qui continuent comme ça, monsieur. Et nous-mêmes, l'homme te dit, nous sommes dans un discours, il y a des gens, faut taper au sous-dos, mais moi, ça te fait mal. Quand il y a des gens qui te font pile en couler. Mais m'a dit peuple là je dis à moun ça faut nous taper au sous-domaine pour suspendre diviser pays ça pour rayer pour suspendre faire nous-mêmes qui parler créole nous yon en face l'autre pour suspendre craser briser dans pays
parce que c'est nous-mêmes qui gagnons sans nous, c'est nous-mêmes qui gagnons l'âme nous, c'est nous-mêmes qui gagnons sur nous que t'es ça boy. On nous met tête ensemble pour nous tirer petite nous, ak petite petite nous dans ça où je dis. Vive en justice accessible pour toute société. Vive Haïti, Haïti.